Salut à tous. Salut. Alors la semaine dernière on vous l'a dit, on va tout faire aujourd'hui pour installer le poêle. Enfin on espérait l'installer la semaine dernière, mais clairement on n'a pas eu le temps. Elle se marre. Salut à tous. Je la mets hein. Salut à tous. Salut. Alors la on y va. 3, 2, 1. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Alors on n'y est pas arrivé la semaine dernière, on va peut-être y arriver aujourd'hui. On installe le poêle. On installe le poêle à granules dans l'atelier des frères Poulain. Ouais. C'est pas vrai. Ce poêle, on en a besoin parce que vraiment, avant de commencer les travaux, avant de taper dans le dur dans l'atelier, monter des parois, etc., il faut absolument qu'on trouve une solution pour se réchauffer. On en a déjà parlé et on a un petit souffleur au fioul, mais c'est quand même pas très économique et un peu beaucoup polluant. En plus, il est pas du tout automatisé et encore moins domotisé, donc à chaque fois qu'on arrive ici, il fait 5 degrés dans l'atelier et il faut 2-3 heures pour faire remonter la température. Bon, c'est vraiment pas pratique. Cette vidéo ne fait pas office de tuto. De votre côté, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels qualifiés. On est dans un bâtiment industriel et tout ce qu'on fait, on le construit évidemment avec l'accord du propriétaire. Exactement, et d'ailleurs vous allez le voir, ce poêle, on va l'installer ici dans un coin, c'est pas un positionnement idéal, mais comme on vous a dit, c'est le temps des travaux. Et pour protéger le vitrage de la chaleur, on va installer derrière le conduit un coffrage. Coffrage qui sera lui en panneau de fibre gypse, en fermacelle, qui est donc anti-feu. De surcroît, ce poêle là, il est étanche et il est avec un tuyau double paroi. Ça veut dire que le tuyau des fumées est au centre et que autour il y a l'air frais extérieur. Donc en fait c'est un super excès de zèle parce que ce tuyau, même à plein régime, normalement on devrait pouvoir le toucher, il sera un peu plus que tiède. Il sera juste potentiellement chaud, voilà. Mais rien de très grave ou qui brûle. Et puis je vous le répète, ce poêle, le but ça va être quand même de le domotiser parce qu'on l'a payé vraiment pas cher avec une puissance énorme. Donc d'en faire un super poêle en essayant de le hacker et de récupérer toutes les datas en wifi et de le mettre sur Home Assistant, pourquoi pas. Nous, pour l'instant, on commence par le coffrage qui protège le conduit. Intro la plus longue de l'histoire des frères Poulain. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par un sponsor que vous ne connaissez pas du tout, NordVPN. NordVPN, vous commencez à connaître, même si c'est dans le nom, ce n'est pas que un VPN. Je vous rappelle quand même ce que ça permet de faire, notamment par exemple d'avoir accès à des produits qui ne sont pas nécessairement disponibles dans votre pays. Par exemple, si vous avez une série que vous kiffez qui n'est diffusée qu'en Corée, et ben vous pouvez, grâce à NordVPN, vous localiser dans ces pays-là pour pouvoir bénéficier en streaming de ces programmes-là en vous faisant passer pour un Coréen et surtout protéger vos données, chiffrer votre trafic internet au travers d'un tunnel VPN et donc de rendre illisibles vos données si jamais elles sont interceptées par un tiers. Ça permet également de masquer votre adresse IP réelle sur internet et donc par exemple de bénéficier de prix plus intéressants si vous voulez acheter des billets d'avion. Et oui, parce que si votre adresse IP revient plusieurs fois sur le même site, ils vont dire tiens, ce mec là il est déjà venu, on va faire monter les prix, comme ça il va se dépêcher d'acheter. Si vous avez une adresse IP différente la prochaine fois que vous vous rendez sur le site, bah vous aurez les mêmes prix bas que vous aviez eu la première fois que vous vous y êtes rendu. Et puis il y a plein d'autres petites fonctions qui gravitent autour qui sont hyper intéressantes, par exemple le bloqueur de publicité intrusive. Si vous vous rendez sur un site internet et qu'il y a des publicités de partout, NordVPN va les bloquer pour vous en amont. Et si vous recevez un mail qui contient des liens frauduleux ou des choses comme ça, NordVPN vous protège si jamais vous cliquez sur le lien. N'oubliez pas que via le lien qui s'affiche ici et le lien en description, pour fêter les 11 ans de NordVPN, vous avez droit à un plan exclusif de 2 ans avec en plus un mois gratuit et en plus un cadeau offert que vous verrez si vous cliquez sur le lien. Vous avez 30 jours satisfait ou remboursé, donc vous auriez tort de pas en profiter. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur NordVPN. La suite de la vidéo dès maintenant. Merci NordVPN.
panneaux de gyps, les panneaux Fermacell, franchement, jolie découverte. C'est un peu chiant à découper, mais honnêtement, c'est vraiment rigide. Ça inspire confiance, on peut le visser comme du bois. C'est bonne surprise. Si un jour vous voulez faire quelque chose avec beaucoup d'argent à dépenser, vous pouvez remplacer le placoplate par des panneaux comme ça. Ah bah si je dis pas de bêtises, c'est 32 euros la planche, 2,50 m par 1 m, donc c'est quand même un sacré budget. Et puis viendra ensuite le dernier panneau de Fermacell qu'on placera juste ici. Qu'on fasse le trou dans le bac à acier pour y placer le conduit d'extraction et d'arrivée d'air. Et donc, une fois qu'on fera le trou à l'extérieur, on pourra le repérer à l'intérieur sur le panneau, qu'on viendra ensuite visser. Ce sera beaucoup plus pratique dans ce sens-là que d'abord poser le panneau pour faire le trou ensuite. Ce qui nous reste à faire en gros œuvre là, du coup, c'est directement l'estrade qu'on va venir poser. Il y a simplement 3 briques de béton cellulaire à poser avec de la mousse expansive. Ce sera impeccable. Des briques, des blocs. Des blocs. Des... parfois. Des béton cellulaire. Des cubes. Ça c'est génial, ça c'est les liens dans la description sur Amazon. Vous savez en plus les liens ils sont affiliés, c'est des liens partenaires Amazon. Donc si ça vous intéresse et que vous en achetez, on touche un petit pourcentage. C'est un moyen d'aider la chaîne gratuitement j'ai envie de dire. Parce que vous nous payez pas directement, mais vous achetez un truc dont vous avez besoin et vous trouvez cool. Et nous comme on vous l'a conseillé, on touche de la moula. Ouais, enfin le mieux ça reste quand même de s'abonner. Hein. Oui mais alors ça rapporte pas d'argent directement. C'est vraiment royal, je pensais pas que le rendu global eh bien, du poil sur cette énorme plaque de 25 cm de haut de béton cellulaire allait être bien, et bah pourtant c'est le cas. Franchement très cool, alors on va peut-être avoir une sortie d'air un peu haute et surtout le poil qui va être dirigé entre les deux pièces. Mais c'est un poil pour des grands comme nous, voilà. Donc en fait c'est un poil qui nous convient. Donc du coup, très content, il va falloir donc maintenant aligner la fumisterie. Et d'ailleurs c'est ce qu'on s'apprête à faire maintenant, à savoir fixer tout pour voir où est-ce qu'on arrive au niveau du bac à acier et faire la découpe pour la sortie et l'évacuation.
pouvoir aller charger en granules, on est allé tout chercher ce matin à Leroy Merlin. C'était à la fois le plus rapide, le plus proche et le moins cher. On a profité d'une promo. Exactement. Donc on est à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, à 7,50€ le sac de 15 kg de granules. Alors, il y en a beaucoup dans la vidéo de la semaine dernière qui ont dit pourquoi vous prenez un poêle à granules. Évidemment, c'est pas un poêle à bois, donc on peut pas utiliser nos chutes de bois, etc. Donc c'est un petit peu moins économique, c'est tout à fait vrai. Sauf que, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'un poêle à granules comme ça, on a pu le poser en ventouse. On a aussi un conduit qui est pas du tout chaud, donc qui est quand même moins dangereux. Et tout ce qui va être au niveau de la domotique, de la programmation, etc., c'est vraiment idéal parce que là, on va pouvoir le démarrer à distance avec une application téléphone et surtout toute l'alimentation de granules se fait de manière automatique. Et puis on a fait le calcul, hein, tant que le granule ne monte pas au-dessus de 20-25€, on restera moins cher que l'électrique. Maintenant, c'est ce qu'on vous avait dit, on veut vraiment essayer de faire ce qu'on peut au max de cette machine-là. Et pour ça, on va la hacker et on va vous montrer comment le faire vous-même parce que dans cette période, pour le coup, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Là, la première des choses à faire, c'est de démonter les deux parois latérales pour voir ce qu'on peut retrouver dans le poêle. Et puis, ça sera peut-être l'occasion aussi pour vous de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un poêle à granules. Une fois que c'est ouvert, on se rend compte que c'est relativement simple en définitive. On a évidemment toute la partie dans laquelle on va avoir la flamme qui est derrière la vitre et la porte là, mais on a surtout ici un réservoir contenant les pellets, un système ici qui va contenir un ventilateur juste en dessous pour faire passer l'air dans le corps pour réchauffer et sortir juste ici à haute température. Et puis après, les deux sont reliés via une vis sans fin là-dedans qui marche par intermittence ou en fonction du modèle, lentement ou rapidement. Et ça vient alimenter le feu et ça fait descendre les pellets, les chauffer. Du coup, ça chauffe tout ça, l'air repasse à l'intérieur, se réchauffe, etc. Et c'est un cycle qui continue comme ça. Ensuite, en dessous, on a toute l'électronique que vous avez juste là avec la carte du EPI, le système de gestion de l'écran LCD, du thermostat, etc. Et cette petite carte là, et ben ça tombe bien parce qu'on la retrouve dans de nombreux modèles. Et donc tout ce qu'on va vous montrer avec notre poêle là, et ben c'est applicable potentiellement sur d'autres poêles, d'autres marques que vous possédez peut-être. Mais ça, c'est à vous de voir en votre âme et conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous montre comment faire de ce poêle entrée de gamme quelque chose de vachement plus pointu et quali grâce au hack de cette petite carte. Et on vous le montre dès maintenant avec Artus sur l'ordinateur. C'est parti. C'était pas du tout prévu qu'on domotise le poêle. En définitive, quand on a vu que ces poêles-là, ils embarquaient une carte électronique et qu'ils avaient un module Wi-Fi, parce que normalement, moyennant plusieurs centaines d'euros, on peut rajouter une option Wi-Fi sur le poêle, on s'est dit, il y a peut-être quelqu'un et bah, qu'à chercher, qu'à trouver et qui l'a documenté. Et c'était le cas. Je me suis retrouvé donc ici sur le forum de JDOM avec quelqu'un qui a cherché en définitive à écouter ce qui se passait entre le poêle et l'application mobile. Il s'est rendu compte que quand il mettait la température à 26 degrés, ça envoyait telle trame. Quand il avait une erreur de fumée, ça envoyait telle trame, etc. Il les a décodés, il les a documentés. Donc on se retrouve ici avec un magnifique document. Et donc quelqu'un s'est basé sur les travaux de cette personne-là pour créer un plugin Home Assistant. Et donc tout est documenté ici sur le GitHub, les liens dans la description. Et on a installé le firmware sur la carte. Alors on va pas vous expliquer en détail comment on a pu réaliser ce type de montage, parce qu'on vous l'a déjà beaucoup dit dans les playlists domotiques précédentes. Donc Baptiste vous met en lien dans la description toute notre série domotique et on viendra encore une fois tout vous réexpliquer avec la nouvelle installation domotique de l'atelier. Mais ça, malheureusement, c'est dans quelques semaines, voire quelques mois. Vous voyez ici sur un Womos DR Mini, c'est encore plus simple que dans la doc qui était indiquée, puisqu'on a carrément ici les broches qui sont marquées TX et RX. Donc on va brancher ça directement sur les ports TX et RX du poêle. Donc le Womos DR Mini est placé ici dans le petit boîtier. Je l'ai relié avec des connecteurs Dupont sur les bornes du port série de la carte du EPI. Et donc maintenant on va pouvoir recevoir et décoder la trame sur Home Assistant avec un plugin spécial. On voit bien qu'on a le poêle qui est actuellement en chauffe, réglé sur 22 degrés, avec une température actuelle à la sonde de température détectée de 19. Ça vient de passer à 20 degrés. On peut évidemment éteindre ou allumer le poêle et régler, par exemple, la puissance de ventilation.
Ça fait quelques jours maintenant qu'on utilise le poêle avec l'intégration domotique et on est super content. C'est vraiment génial, la communication se fait à la perfection, ça marche trop bien. On peut même régler la puissance de ventilation, ce qui est super pratique. Et on pourrait même carrément imaginer qu'avec notre position GPS, quand on quitte l'atelier et qu'on est à plus de 50 mètres des portes, eh bien ça éteint automatiquement le poêle, ce qui fait qu'on n'aurait même plus jamais à s'occuper en fait techniquement de notre chauffage à l'intérieur et faire des économies d'énergie et d'argent. Maintenant, si vous n'avez pas d'intégration domotique comme JDOM ou Home Assistant, on l'a vu sur divers forums, la possibilité de relier directement un thermostat externe type Netatmo ou Nest. Donc on se passe d'une grosse centrale de domotique et on peut utiliser quelque chose de plus conventionnel disponible à boulanger. Maintenant, plus globalement, pour le poêle en lui-même, c'est nous qui l'avons acheté, c'est pas du tout une sponsor. On en est relativement satisfait, franchement, pour le prix, y a rien à dire. On vous met quand même le lien en description. Après, plus globalement, on a osé, on a pris le poêle le moins cher, donc forcément la qualité de fabrication s'indexe aussi un petit peu sur le prix. Vous voyez là, on est vraiment sur un panneau de tôle qui est sur le côté, il y a des vis qui sont un petit peu de travers. On a un ou deux jeux sur certaines pièces. Les amis, voilà, on vous a montré comment nous, on a fait ça. Ça avait titillé notre curiosité, on espère qu'on a titillé la vôtre. Vous savez maintenant comment faire, mais si vous le faites, on vous le répète, tout ça c'est très normal, il y a des certifications à avoir, etc. Donc si vous le faites, vous le faites en votre âme et conscience. Voilà, bon, vous êtes suffisamment prévenus dans cette vidéo. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. À très vite, la semaine prochaine, c'est pas un épisode de l'atelier, c'est un épisode spécial qu'on a fait en partenariat. Je vous avec EDF, ça va être très cool. On est allé visiter des entreprises très stylées qui innovent dans le domaine du bas carbone, etc. N'oubliez pas aussi de vous abonner, c'est super important. Vous êtes à fond au rendez-vous sur les vidéos, mais on vous dit pas de vous abonner et on voit que quand on vous dit pas de vous abonner, vous abonnez pas. Donc, soit je vous dis, abonnez-vous.